bataille de Vertières, date 18 novembre 1803. Lieu, haut du Cap. Vertières, un blocos. Mais ce n'est pas seulement dans le système défensif là. Et son bataille, qui pour la dernière bataille dans l'histoire de la Révolution haïtienne, qui était précédée le 10 octobre de la bataille de Port-au-Prince, côté Port-au-Prince capitulé. Et le Port-au-Prince capitulé, Dessalines entrée Port-au-Prince chamarré en rouge, et puis il prend Villa nommé commandant La Valette. Et ensuite, l'armée a fait des terribles batailles et contre l'armée française, et surtout à l'entrée nord de Port-au-Prince, côté général Lux, qui était venu avec 700 dragons, attaquer et frapper durement les troupes des Salignos parce qu'elle voulait entrer en dedans Port-au-Prince et le rentrer vrai pour le défendre la ville. Après la bataille du 10 octobre, ça, Dessalines pourrait faire un repos, un repos de 12 jours. Et après 12 jours, il a annoncé que nous pourrions faire la dernière bataille là, nous pourrions aller au Cap. Et c'est au Cap, justement, que Vertières situé. Et son blocus. Mais attention, 22 octobre, Dessalines quitté, et il quitté division de l'Ouest, nommé Pétion, pour Pétion contrôler arrière-garde là. Et il prend route là, il arrive à Gonaïve et puis il passe troupes en revue. Et après qu'on finit de passer en revue, il y a la pluie en pile, il prend plusieurs jours avant d'arriver à Limbé. Et il peut arriver à Limbé vers 21 ou 20 octobre. Et à partir de ce moment, il peut arriver à Morne Rouge. C'est là, dans Morne Rouge, que le poil établit. Garnison que le poil établi, sort à Carrelé, état-major, tout bagaille pour te préparer bataille ça. Et Morne Rouge, attention, l'habitation le Normand de Nézy, où est coïncidence là? Côté détermination et décision pour Estavio, prends âme contre système colonial esclavagiste là, c'est Morne Rouge sur l'habitation de Normand de Nézy. Et côté dernier campement pour être fait là, pour dernière bataille décisive là, coïncidence, où est samedi là? Chargé de symbolisme, et c'est là que l'état-major l'a réuni pour préparer dernier mise au point pour bataille là. L'armée qui devant Vertières là, qui pour l'attaquer français, t'es gain 27 000 hommes en tout et qui t'est réparti en 15 brigades, en 15 demi-brigades. L'enjeu de la bataille, même monsieur qui a fait bataille, yo, pas qu'on enjeu. Enjeu immédiat qui pille clair pour yo, c'est que ces dernières batailles qui pourraient mettre les Français au dehors et pour libérer et puis pour qu'ils puissent bâiller l'indépendance. Mais l'enjeu de la bataille, c'est tout simplement une totale conséquence sur la nouvelle orientation des sociétés modernes. L'histoire des sociétés modernes va devoir changer avec bataille. Bataille-là pour commencer le 18 novembre. Mais avant, dès le 17 novembre, Dessalines bâille. Garder terrain, louer terrain, bien l'étudier avec tout état-major. Et puis il dit Christophe, vous pouvez commencer l'opération avant la bataille Vertières. Dès le 17 novembre, opération enclenchée. Et pour qui ça, l'opération s'est enclenchée, nous songeons nous parler de Vigie Saint-Martin. Et vous pouvez contourner le système défensif là pour justement pour batteria, pour vous venir dans les batteria. Diversion. Il a fait, la main indigène a fait, et puis à partir de diversion ça, qu'on y a, il est capable, ça pourrait permettre aux troupes françaises de dégagner un peu force et occuper par justement protéger de canons, de tout boulet que Romain avec Christophe a brouillé. À 6 h du matin, opération pour commencer. Mais avant de commencer, la veille déjà, Dessalines a approché bon côté dispositif là. Il prend longue vue, il garde, il apprécie, et puis il peut aller, et puis bon, et Français ont tiré derrière, mais jamais je t'ai calculé les bagages là, il connaît que balle là, balle là, pas tape. À l'aube, le 18 novembre, bataille commencée, et Kimoun qui lançait opération bataille là, à partir de l'ordre et commandant Théa Dessalines, c'est Clairvaux, puis ancien général de l'armée indigène qui pourra lancer les opérations. Bataille a commencé à l'aube, aux environs de 6 heures du matin. Et il pourra finir à 2 heures du matin, le 19 novembre.
bataille a lancé. Immédiatement, état-major de Saline, et de Saline, découvrit que Vertière, c'est axe central système défensif là. Avec Breda, bien entendu, il faut absolument que vous preniez Vertière. Et lui ordonner Capois, qui t'a dirigé la 9e demi-brigade là, avec quelques bataillons, dont l'autre demi-brigade. Alors, à partir de ce moment, bataille a commencé et c'est force de frappe et attaque Capois, parce que lui était confié Capois, phase et stratégie ça, dans la mesure où on connaît que Capois n'a pas reculé. À partir de ce moment, d'où son nom Capois la mort, bataille a fait et puis c'est Moun qui a mouru sur Capois la mort. C'est Moun. Et puis à partir de ce moment, état-major de Saline vient découvrir bagaille de Saline dit, si nous ne prenons pas but charrier, nous perdons la guerre, nous perdons la bataille. De Saline dit, Gabar, sans penser si nous prenons but ça. Et puis Gabar répond, en pile, nous avons mouru, nous ne sommes pas capables. Et puis il dit, Gabar, que le soldat, numéro par numéro, mouru, moi voulais avant 11h, but la prend. Parce qu'à partir de ce moment, Gabar, tu as une complicité énorme, un jeune mulâtre, mais qui a une complicité énorme avec De Saline, il s'aimait ces deux-là. Eh bien, il se dit, on va prendre. À partir de ce moment, tout en jeu bataille à la poêle autour de Charrier, pas de Vertière, il a frappé Vertière toujours, mais c'est autour de Charrier et autour de la butte Charrier. De Saline mandé et Capois la mort font déplacement orienté vers Charrier parce que pour prendre but là, faut exactement ou couvrir. Et alors, il a attaqué Charrier et pendant la attaqué Charrier avec en pile force, c'est alors que, en principe, Vernet et Clairvaux, Vernet et Gabar surtout, lancé à l'assaut de la butte. Butte la vigne en dans dispositif stratégique et armée et indigène. Dans ça, dispositif stratégique la vigne déplacé un tout petit peu pour prendre Vertière, il faut prendre Charrier. Et pour prendre Charrier, il faut prendre butte Charrier. Et toute bataille à poil faite, et autour de 11h du matin, et puis bataillon installé, et puis bataille continuée, et puis pièce canon, butte Charrier, éclaté en partie dans la poudrière Vertière, probablement parce que Vingéon du feu prend, et personne n'a rien dans fort là. À partir de ce moment, vous voyez que la bataille a changé, et vous voyez que le bois a perdu la bataille. Puis, il y a un boulet qui sortit dans butte Charrier, sauté, il n'y a pas attaqué Vertière en pile boulette. Donc Vertière pas câble qu'on y a défendu et finalement, bon, une question, ou bien on poudrier, on ne sait pas, qui sautait et puis du feu prend totalement dans Vertière. C'est la fumée, soldat français, rien de barre. Et puis à partir de ce moment, bataille a vignerété parce qu'à 6 heures, bon, la pluie terrible et fusil au mousquet, pas câble fonctionner même genre. Ouais. Et des deux côtés, tu as une force militaire et tu as servi à la même arme. Mais il faut qu'on admette que ça peut permettre aux Haïtiens de gagner une bataille, ça, c'est le nombre. Et surtout, l'énergie qui tout simplement dit bataille, ça, c'est dernière nappe.